On va ramasser par l'ours. Ça vient-tu vers moi? Bonjour ma gang de pas fin, c'est DoomQC89, on est de retour dans Subsistance pour notre épisode numéro 74 de notre Let's Play. Dernier épisode, on est allé tester la fameuse caverne profonde, ou la caverne profonde comme j'ai si bien dit. On a appris beaucoup de choses, principalement, écoute, c'est dangereux. Il y a des gens méchants là-bas, puis ils nous aiment vraiment pas. Il y a vraiment beaucoup de chasseurs, ils apparaissent, on dirait, assez random et assez fréquemment. En groupe, seul, un peu n'importe où, il n'y a pas de feu de camp, il n'y a rien pour nous aider à les détecter. Il fait chaud dans la caverne, ça on le savait, c'était dit dans la note de mise à jour. Aujourd'hui, écoutez, on est revenu et je ne vous mentirai pas, je suis mort sur mon chemin du retour. Même pas dans la caverne profonde, ce qui était une bonne chose. Contre des mineurs dans la caverne de base, en haut. J'étais presque rendu en fait à la sortie. Ils m'ont eu à l'usure là, à force de me frotter à un groupe et un autre, puis un groupe et un autre, puis j'avais plus rien pour me soigner. Je les ai tous tués, puis je suis mort au bout de mon sang après. C'était un peu triste. Mais au moins, j'ai pu récupérer presque toutes mes choses. Comme vous pouvez constater peut-être dans ma barre d'outils, je n'ai plus d'arc. Ouais, mon arc recourbé est juste disparu. Je l'ai perdu, c'est détruite. Je crois pas que j'ai perdu rien d'autre d'important. Évidemment, j'ai perdu la moitié des ressources que j'avais sur moi à ce moment-là. Tu sais, je dis j'ai rien perdu d'autre, c'est pas vrai. J'ai perdu quand même pas mal de trucs, là. Mais rien de massif. Parce que, bon, mon arc recourbé... Non seulement c'est un arc recourbé, mais en plus je l'avais amélioré deux fois, fait que j'ai investi beaucoup de ressources à l'intérieur de cet petit objet. Et malheureusement, ben, ça y est parti. J'ai aussi perdu, comme vous pouvez voir, des points de vie au maximum. Mais bref, écoute, on est sorti de là un peu plus... avec un peu plus de sagesse, faut croire. Avec un peu plus de connaissances, on sait maintenant à quoi s'attendre. La morale de l'histoire, je crois... cas pour moi. Beaucoup plus, apporter beaucoup plus de stock de premiers soins et compagnie. C'est un essentiel. Apporter plus de munitions, s'il le faut. Changer un peu mon arsenal. Je pense que j'irai plus avec le shotgun et la SVT que la Winchester et l'arc que j'avais. Je pense que ça va être plus efficace rendu là-bas. Là. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On y retournera pas tout de suite parce que je veux justement faire les préparations pour y retourner. Dans le fond, aujourd'hui on est en mode retour au camp de base. On soigne nos plaies, on se prépare à repartir, mais ouais, ça sera pas trop long que ça va être le cas. Dans le fond, aujourd'hui on va faire de la préparation. Dans le prochain épisode, on va retourner en bas. On va voir comment ça va donner. J'ai pas perdu mes pics. Je suis très content. Je les ai ici. Là, ce que je veux faire, dans le fond, c'est... J'avais tout prévu, plein d'affaires. Je suis allé faire d'autres choses. J'ai comme tout oublié un peu ce que je voulais préparer. Mais là, je suis en train de faire cuire de la bouffe en masse. C'est... pourquoi pas, hein? Je vais refaire mon arc. C'est ça que je vais faire en premier. Ensuite de ça, on va faire... peut-être des munitions, mais surtout, il faut que je refasse... des trucs de premiers soins. Et qui dit truc de premiers soins dit tonique. Qui dit tonique dit huile de poisson. Donc, on va faire... je vais poser des pièges à poisson en masse. En fait, je vais tout ramasser ça. Parce que j'ai besoin... Puis tout ramasser ça. Puis quand hein, on va en crafter des cossins aujourd'hui. J'ai besoin de tout ça ici. Ok. Tonique. Fait que c'est ça, on va faire beaucoup de trêpes. Avec un peu de chance, on va aller se balader un peu dehors aussi. Dépendamment, ça devrait pas être trop long, mais on veut pas là, faire le préparatif.
J'ai besoin de beaucoup de choses à faire, mais... Sinon, j'ai laissé aussi du matériel un peu en bas, là, pour éviter d'avoir à le redescendre. J'ai de la viande pourrite pour mettre dans mes pièges. Je vais faire des pièges, poser des pièges à poissons aussi en grande quantité. Pour justement faire un stock de... De tonique. Ben, de la poisson, en fond. Puis, on va essayer de pêcher ça de façon massive dans les prochaines journées. Ouais, c'est un... Il y a beaucoup de préparatifs. Qu'est-ce aussi que je me suis dit... Bon, de l'eau. Avoir un feu de camp là-bas, ça serait bien. Fait qu'à pouvoir apporter des kits d'allumage. Ça aurait pu m'aider à me remonter mes points de vie au moins, tu sais. Pendant un bout, là. Fait que... Oui, il y a beaucoup de choses... Beaucoup de choses à préparer. Mais c'était donc malade. C'était le fun. Comme j'ai dit dans le dernier épisode, ça faisait... depuis, je pense, l'arrivée du cougar, j'ai pas eu un challenge comme ça. Qui est arrivé, là, je vais manger, hein. C'est beau tout ça, je fais à manger, il faudrait que je mange. Ah, j'ai pas assez faim pour ça, c'est con. Je vais manger un steak de bord. Faut que je remonte mes points de vie de bord. Puis, I need to drink. De l'eau, on en avait en masse, c'est une des affaires que j'avais bien préparées, parce que, vous savez, là, il l'avait dit, Kogim m'avait dit. Il va faire chaud là-bas, apportez-vous en masse d'eau. Mais il y a c'est les premiers soins. Puis il faudrait éventuellement que je refasse aussi un kit d'escalade. Comme j'expliquais là. Je vais pouvoir le laisser dans la caverne. Puis aussi, peut-être idée. Je m'étais dit je veux pas transporter avec moi mon kit de plongée pour rien. Pour avoir plus d'espace dans mon inventaire, ce qui a été très utile. Mais si j'avais voulu traverser la caverne au complet puis me rendre de l'autre côté, ben, j'en aurais eu besoin. Alors, toujours la porter avec nous dans la caverne, je pense que c'était aussi une grosse apprentissage, une grosse morale de l'histoire. Putain, ça. Merveilleux. Je suis en train de faire des kits de premiers soins en plus. Chic, merveilleux. Fait que je vais les laisser tranquilles, ces pièges à poissons là. J'espère que je vais pas avoir autre chose que des fucking écrevisses. Bon, toujours pratique. J'y brûle mes écrevisses puis je les envoie dans le. Je fais de la masse avec. Bon, l'arc. Est-ce qu'il est amélioré en plus à deux points là, ça a fait un peu mal. Ok. Les balles incendiaires. C'est donc. Bon. Tu sais, je dis, je vais peut-être prendre la SVT à la place de la Winchester. La cadence de tir de la SVT serait plus pratique. Les balles incendiaires, par exemple, que je peux juste tirer avec la Winchester. Je peux pas les tirer avec la SVT. C'est génial aussi. Ça m'a vraiment aidé à sortir. Je m'en suis pas servi tant que ça avec vous, mais pour sortir, j'ai recroisé d'autres chasseurs avant même d'arriver dans la. De sortir de la zone profonde. Ben, au lieu d'essayer de viser la tête parce qu'il rouillait, j'ai visé le torse avec une balle incendiaire. J'étais allé me cacher, il a brûlé jusqu'à en mourir. J'ai pu comme ça diviser pour mieux régner, comme on dit là. Je me suis débarrassé d'un des deux chasseurs comme ça. Puis j'ai pu après ça avoir la paix, être tout seul un contre un avec son collègue. Qui n'a pas eu un sort bien différent. L'arc. On dit, faut que j'arrête d'oublier. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ça? L'arc cowboy, 5 planches. Ah, j'ai même pas l'énergie pour le faire. Pas les génératrices, Johnny! Pas ça! J'ai besoin aussi de ramasser plus de cendres, éventuellement, si je veux faire plus de poudre à canon, faire plus de balles. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais j'oublie tout le temps de le faire, ou du moins d'économiser mes cendres, puis de les mettre quelque part. Je vais les cacher quelque part où je penserai pas les prendre pour aller faire mon jardin. Ça presse pas tant le jardin, j'ai quand même de l'avance. Bon, on va au moins mettre les affaires dans mon inventaire, comme ça, je vais arrêter de me. Ah, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai monté. Fallait que j'aille chercher des pistes d'armes. Ah, c'est bon d'être de retour en surface, par exemple. Mais, écoute, c'est fun, il y a vraiment un challenge.
C'est pas facile en bas. Puis, ben là, on oublie la possibilité d'utiliser l'énergie solaire pour se faire de l'énergie. On peut pas utiliser non plus l'éolienne. Ça pendant qu'il y a du vent dans les cavernes. Fait que si on veut se construire de quoi là-bas de gros, on oublie ça un peu. Là. C'est possible, y a rien qui nous l'empêche vraiment. Là. Ça serait compliqué. Donnez-moi les tomates pendant que je fais de l'énergie pour faire mon arc. Fait que là, j'ai une dizaine. Parce que j'ai toujours tendance, vu que je joue en difficulté normale, j'ai toujours tendance à transporter le moins de stock possible sur moi en termes de munitions puis tout. J'aime mieux mettre une grosse partie en coffre puis me refiler souvent. Là, par exemple, on part pour une plus longue expédition, fait que j'aurais dû amener plus. J'en ai amené autant que ce que j'ai rapporté pour me faire la forteresse, mettons. Mais là, il y avait... Ben, c'était, j'aurais pas pu prévoir, là. Il y avait beaucoup plus de chasseurs dans la caverne profonde que je pensais. C'est pas un endroit que je vous suggère d'aller jouer pour le plaisir ou si vous êtes pas prêt. C'est seulement la préparation. Parce que là, c'est pas pour me vanter, j'ai de l'expérience dans le jeu. Puis j'avais, bon, le meilleur armure, le meilleur... Pas nécessairement les meilleures armes, mais elles sont pour améliorer au maximum. Mais le plus de points de vie possible. Puis je l'ai eu rough pareil. Là. Une chance que j'avais créé ma petite cabane parce qu'à la fin, là, avec les molotovs, les chasseurs qui arrêtaient pas d'apparaître là, un après l'autre, là, ça s'en finissait plus. J'aurais pas sorti de là vivant. Même si j'ai techniquement pas sorti de là vivant, là, mais. Chut. Ouais. Au moins, j'aurais été pris en bas. Là, comme j'ai dit, vu que j'ai pas de deuxième kit de... Ça me prend un deuxième kit d'escalade que je vais garder dans la caverne peu profonde, on va dire. Je sais pas comment je vais la caverne profonde, c'est comme un staple, c'est beau, le nom est accepté par Docteur Maman, mais l'autre caverne, maintenant, c'est un peu plus du... Ah, ça prend bien trop cher d'énergie, ça, faire ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, je la transporterai pas avec moi. Je vais laisser mes flèches premium ici. Je vais pas en faire d'autres, de toute façon, des flèches premium. Pour... ouais. Sinon, ben, il va falloir que je leur fasse plus d'eau, évidemment, plus de nourriture. Il va falloir que je me remette à manger de la grosse bouffe. Puisque j'ai perdu des points de vie. Je dirais pas que c'était dur comme le mode hardcore, là, mais c'est que... Dans un certain sens, il y a plein de similitudes en étant tellement isolé en bas. On ne peut pas se permettre de mourir sinon on perd beaucoup. Je pense que j'avais tellement... Le problème, pourquoi j'ai perdu mon arc, ça devait être parce que j'avais beaucoup trop d'affaires sur moi. Puis, il y a des objets qui sont disparus, puis ça a donné que c'était ça. Ou il y a toujours une possibilité, je pense, qu'il y a des objets qui se détruisent lorsqu'on meurt. Avec un peu de chance, mais qu'on vienne avoir des pots poissons dans nos pièges. Oh le gentil chevreuil, il est parti! Il s'est sauvé. Là, j'améliore mon pistolet. Là, je suis en fait, ouais, j'améliore toutes mes armes. Mon pistolet, ça serait bien parce que je l'ai tout le temps avec moi, puis c'est un bon backup. Là. L'arc dans la caverne, c'était pas idéal.
je pense que le SVT, ça serait bien. Ça me donne une meilleure, parce que la Winchester c'est super bien, mais la cadence de tir est plus basse, donc de plus proche, puis les chasseurs, les masques à gaz, bon. Aidez-moi à trouver un nom à ces tarés, quelque chose, je sais pas, un jeu de mots, quelque chose. Ça serait, c'est ça, ils ont tendance à nous attaquer de proche parce que ils nous attaquent au canon, au double canon. Puis il faudrait que je m'arrange pour être aussi, voire plus efficace que les autres de proche. Je trouve que le shotgun est meilleur aussi, ça aide. Il y a une tempête dans mon ordinateur. Au niveau des ressources qu'on trouve là-bas, c'est un peu comme dans la caverne. Même chose, on trouve du cristal, des champignons, du charbon et des chauves-souris. Puis aussi du phosphore, donc ça c'est correct. Mais on trouve aussi les fameuses petites caisses là, puis on doit les casser. C'est pas très long, je pense que c'est 4 ou 5 coups de hache, puis c'est réglé. Puis dans ces caisses-là, on y trouve des ressources de hautière. J'ai trouvé notamment une grenade, une flèche explosive, des balles incendiaires, des bandages. Toutes des affaires qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Mais que demande beaucoup d'efforts ou des ressources à s'avancer. Donc c'est sûr que d'un point de vue. Ils sont ramassés par l'ours. Ça vient-tu vers moi? C'est une ours. J'en reviens sans pas long. Je vais aller ramasser le cadavre du nomade. Je viens de remarquer qu'ils sont rendus en pantalon noir. En pantalon robuste. Ok. Ils ont quand même avant. Upgradé. Ça, normalement, ils sont en pantalon médium. Comme ça, de mémoire, là. Si je me trompe. Là. Cool, un peu de gras, là, ça va nous permettre de faire marcher notre génératrice au max. Ah, il est pas tout seul à être mort. Non, il était niveau 5, le nounours. Bouge pas, je te vois pas. Désolé, je t'avais pas vu. Ça, c'est drôle quand ça arrive. Le camp de nomade s'est fait dévaster par l'ours. Même leur feu de camp s'est éteindu, les pauvres. Ils sont pris à la pluie battante à se faire attaquer par les ours. Je connais le feeling. C'est comme en... C'est comme en difficulté hardcore. Ah, en tout cas, hard mode. Quand ils sont morts, ils restent morts. Ils n'apparaissent pas. On va dire, ils vont réapparaître à un moment donné, les autres.
Pas en même place. J'ai commencé la journée un peu tard. Je regarde ça et je me dis, il doit faire noir. Ouais, c'est ça. J'essaie de trouver des. Ah, de la ferraille. J'ai même pas trouvé un morceau. Faut que je trouve de la ferraille parce que là, j'en ai pas assez pour me faire une deuxième, un deuxième pic. J'aimerais ça avant d'y retourner en bas. Oh, on a deux morceaux. Merveilleux. Ça m'en prend juste, genre, 9 autres. Là. Non, c'est pas vrai. 4, 2 autres. Je pense que c'était 8. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça avoir un autre kit de piolet avant de redescendre. Pour, au cas où, justement, si je me retrouve piégé en, à mourir en bas. Quoique. En même temps, dans un sens, si je meurs dans la caverne, le temps que je redescende, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances que mon cadavre soit déjà disparu. Là. Le voyage peut être assez long. Ultimement, c'est pas compliqué, il faudrait pas que je meure en bas. Si je meurs en bas, je suis un peu baisé. Mais c'est ça, il faudrait que je fasse au moins des vêtements, de secours, un kit, etc. Supplémentaire. Il y a tant de choses à faire. Après, il doit y avoir au moins des vêtements. Genre des anciens morceaux. Là, mais... Oh, des fraises. Faut que j'aille voir mes pièges à poissons aussi. Je ne dois pas oublier d'aller voir mes pièges à poissons. J'étais un peu, honnêtement, comment je dirais ça, un peu inquiet du contenu de la dernière mise à jour, dans le sens que c'était pas ce qu'il y avait, ce dont on pensait qu'il allait arriver, ce qu'il avait parlé au tout début, et comme changer un peu ses plans pour la mise à jour, puis... Ah, je suis coincé. Puis le fait que ce soit une section de carte souterraine, j'aime moins ça personnellement, de voir justement passer par une caverne sous l'eau puis tout ça. C'est cool, c'est original, mais là en plus, c'est ça, on rajoute un deuxième layer en profondeur. C'est quoi qui va arriver après? Est-ce qu'on rajoute un troisième layer en dessous? Tu sais, je penserais pas là, mais... Comme je disais, c'est un réseau, puis éventuellement, qui va peut-être être agrandi. Mais ici, il y a une partie du jeu qui se passe sous l'eau aussi. C'est vraiment... Ça change la game. Mais, la dernière épisode, en faisant, ça m'a vraiment rassuré. Okay, c'est le fun. C'est du beau contenu. Il va y avoir du challenge, puis du plaisir à voir là. Je suis content! Bref, tu sais, hein, on se cassera pas la tête. Je suis très content du résultat. Non, j'ai oublié de la bouffe sur le four. God. Ou le. Mes pièges à poissons. Mes pièges à poissons. Tu sais, j'ai ramassé un poulet. Je vais le mettre dans le poulailler. Après ça, les pièges à poissons. Après ça, je sais pas quoi. Faudrait que je mange. En tout cas, c'est pas grave. Tout plein de trucs à faire. Plein de choses à manger là-dedans. Hein. Faut que je revienne te nourrir, mon petit gars. Ça sera pas bien long.
Et la bonne nouvelle, ben, c'est que dans la caverne, on n'a pas de cycle de jour et nuit. On n'est pas pressé tant que ça par le temps. Mis à part la quantité d'eau qu'on est capable d'avoir sur nous en un shot. Et la bouffe aussi, c'est sûr, mais c'est plus l'eau qui est problématique vu la température. Et de 1, merveilleux. Et un écrevisse, j'en m'en fous. Good. Bon, ben. J'ai une dizaine de patchs, de soins, une dizaine de bandages. Avec ça, on devrait en avoir un petit bout. Au pire, je vais m'amener de quoi aller en fabriquer plus au besoin, peut-être, je sais pas. Puis les mettre dans. Les mettre dans la caverne un peu profonde. La caverne humide. Puis l'autre, c'est la caverne sèche ou la caverne chaude, je sais pas. Des kits d'allumage. Oh mon dieu, ça faut que j'en parle. J'ai des bâtons. Ce serait très pratique d'avoir ça là-bas avec nous. Et j'ai les génératrices marche d'arrache-pied. Donc 400 manches, on va en avoir 5 au total, merveilleux. Bon, là j'ai parlé de. J'ai checké mes pièges. J'ai. Il faudrait aller nourrir mon poisson, mon poulet. Et là j'ai très faim, faut qu'on mange un peu entier. On va remonter nos points de vie tant qu'il n'y en a pas vite. Ah, toi tu peux te brûler. Quoi qu'en fait, je vais mettre un bras. Oh là là, beaucoup de choses à gérer. J'ai beaucoup d'identité, puis je suis pas trop focus. J'ai plein d'affaires qui me passent en même temps. Va falloir que je me fasse une checklist. C'est valeur. Je peux pas faire comme dans Valheim, mettre un panneau, puis faire une liste d'épiceries. Une liste de choses à faire. C'est donc, c'est tellement pratique. Quand j'ai pensé à ça, j'ai fait comme. Oh my god. Ça va me sauver la vie. On va me sauver de beaucoup de maux de tête. Hein? Tu rassasies maintenant, mon petit poulet? Superbe. Superbe. À moins que j'y aille avec cet arsenal là. Shotgun et Winchester. Quoique j'ai pas de balles incendiaires pour l'instant, ça vaut. Ben, j'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas beaucoup. À moins que j'en fasse. J'y aille avec le Winchester. Puis je garde la SVT en backup. Moi, genre le shotgun pour être de proche. C'est sûr, j'ai pas le double canon. Mais. Alright, je suis tout plus là. Tout plus concentré. Je vais terminer l'épisode là-dessus. De toute façon, on est en pleine nuit. Puis là, je sais plus qu'est-ce que je fais. Ça va pas bien. Je suis tout mêlé. Ok. On va faire de l'ordre là-dedans. Puis on va s'arranger pour être prêt. Prochain épisode, on va retourner jouer dans la caverne. Je sais pas si on va peut-être. Je vais peut-être faire une partie du chemin avant l'épisode. Comme ça, on va être rendu. On va être plus proche, on va passer plus de temps à l'intérieur pendant l'épisode. Ça serait une bonne idée en tout cas. On va essayer ça, on va voir ce que ça va donner. Alright, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, je n'oublie pas de me le faire savoir dans les commentaires. D'ici là, on se dit à la prochaine. D'ici là, amusez-vous bien. C'était DoomQC89. Ciao!